Nous sommes début mars au nord de la Loire et nous allons tailler les rosiers couvre-sol remontants. Alors qu'est-ce qu'un rosier couvre-sol? C'est des rosiers qui font entre 40 cm et 60 cm de haut avec un port très étalé pour justement bien couvrir le sol autour d'eux. C'est des rosiers super faciles à tailler. On n'est pas obligé de faire attention aux yeux, etc. On n'est pas obligé de les tailler toutes les années aussi. Par exemple, on peut soit chaque année les rabattre d'un tiers, soit on les laisse proliférer pendant 3 ans, 2-3 ans, et là, on va les rabattre à 30 ou 40 cm du sol. Donc vraiment une taille très très simple. Alors ceux-ci n'ont pas été taillés pendant plus de 2 ans, donc on va les tailler. Et là, c'est vraiment, on va leur donner une forme, donc je ne regarde même pas vraiment où je coupe, hein. Et je vais leur donner une forme. Ça permet de les nettoyer un petit peu aussi. On pourrait presque, si on voulait, les tailler avec une cisaille. Presque. Alors on a surtout supprimé les extrémités de chaque branche pour l'aider à bien se ramifier. On en profite toujours pour nettoyer les bois morts et les chicots. Et on les coupe bien à ras de la branche pour limiter toutes les proliférations des champignons et autres maladies possibles. Et on en profite toujours pour nettoyer au pied. Je les mets avec les déchets de taille et on évacuera tout ça dans les déchets verts tout à l'heure. On regarde si c'est à peu près équilibré. Voilà, j'ai ces bois à éliminer aussi en les taillant à ras. Voilà, tout c'est de leur donner une jolie forme. Voilà, celui-ci est terminé. Regardez la différence avec celui d'à côté qui n'est pas encore taillé. Je l'ai rabattu d'au moins 2/3. Et ça, c'est une taille que je vais faire tous les 2-3 ans à peu près. Et le rosier, les rosiers ici vont pousser et garnir toute cette surface. Et j'aurai un couvre-sol magnifique.